Aïssé Fouem, c'est un dossier chaud dans la enveloppe dans la République. Est-ce que nous rappelons nous hier, nous avons posté photo citoyen ça que nous avons gardé sur l'écran? Si nous comptons li, écris-nous dans l'espace commentaire pour moi. Parce que nous parlons avec le pays. Si nous comptons tout ça qui sur l'écran, écris-nous pour moi tant pour souple. Rend pays en service ça, rend nation en service là. Et puis par la suite, si nous connaissons général ça, ancien sénateur ça tout, écrit non l'espace commentaire là pour moi. Mais me connais que il c'est chef révolution pour libération pays d'Haïti. Dossier au chaud. Est-ce que nous rappelons incident qui t'est passé? Dans le 11 là en face la boule 10 là 7 février 2021. Nous rappelons qui choisit ça. Nous pas capable songer. Dossier assassinat 5 agents BSAP plus 2 kidnappés et puis al exécuté la commissariat Pétionville là. Est-ce que nous songez Zak ça yo? 7 février 2024. 7 février 2024, OK? Nous avons les trompé non. 7 février 2024. Nous rappelons le commandant Guy Philippe tap sorti Thomasin pour te descendre par Pétionville, pour te rentrer canapé vert en passant et par Juvena pour te rencontrer ensemble avec ti monsieur canapé vert. Nous songe tentative d'assassinat qui était faite sous commandant chef révolution qui c'est commandant Guy Philippe. Nous songe ça yon jou kou jodi ya comme leader charismatique là dit que l'a gen pour parler et ben n'ap tan ni pour venir di pays en ki choy. Mais gon grande bagay qui important pour nous. Commandant Guy Philippe dit dernièrement dans une interview qu'elle gagnait avec un média dans capital là. Tout le monde qui t'a dit yo c'est Jovenelicio. Qui ça nous fait pour Jovenel après bataille que le fin fait pour nous et que nèg yo assassiné? Qui ça nous fait? Qui action nous? Qui ça nous baille comme réponse? Nous quitter justice président Jovenel Moïse qui sacrifie pour nous hein? Non mais assassin ou encore qui fin assassiné là? Commandant Guy Philippe te dit nous ça. Et puis il dit que lui-même, qui engage dans quatre batailles, ça, la prend toute précaution pour que l'irait était vivant. Mais cependant, il dit si toutefois, criminel yota assassiné, il dit nous-mêmes comme peuple, pas quitter justice li dans le système judiciaire, c'est balle justice li. C'est-à-dire que c'est al prend justice nous, balle tête nous justice, balle justice. Parole ça, li fait trembler, nèg pas de pression. Et mais qui s'est parlé? La valasse au pouvoir pour le moment. La valasse au pouvoir, bon phénomène insécurité qui va le terrain, avec arrivée représentant famille la valasse là, dans tête, couleuvre cette tête, G9 en famille alliée, nous voyons que volume insécurité li augmenté. OK? Li augmenté. Ça veut dire, je dis, il faut que nous comprenions effectivement ça qui a passé dans le pays. Parce que c'est grave. Eh bien, m'a dit nous que, bataille sa nou la, li pa piti. C'est un pi gros combat que nous avons mené dans ce moment-là. Un pi gros combat que nous avons mené. Un pi gros combat que nous avons mené, c'est bataille sa nou fait là. Mais qui ça lié? Guy Philippe parle, que nous avons sauté, et puis Lavalas a pris disposition pour que nous avons éliminé chef révolution qui se commande à Guy Philippe. En avance. Guy Philippe, non ap cité en pile la média dominicain. Tout analyste politique dominicain a fait analyse sous déclaration Guy Philippe fait yo. Il a analysé comportement Guy Philippe discours gagnant. Gouvernement dominicain dit que Guy Philippe représentait une véritable menace pour la Dominicanie, pour intérêt la Dominicanie.
te décortiquer pour nous. Te dit nous qui ça qui intérêt la Dominicani. Te ban information, te ban nous en pile détail. La Dominicani Peggy Philippe, secteur privé des affaires corrompu gang assassin qui tue Jovenel Moïse, yo Peggy Philippe parce que Guy Philippe son menace pour piller que j'ai pillé peuple. Guy Philippe depuis le vini va na boucher. Guy Philippe son menace tout pour nek qui c'est plus gros trafiquant d'âme en de pays ya. Guy Philippe son menace pour tout assassin qui fait tout temps yo a kidnappé, yo a violé petite pour dans de pays ya. Guy Philippe son menace. Mais Guy Philippe c'est une menace pour ennemi peuple haïtien parce que Guy Philippe son nek qui pas kawé peuple arrête dans misère que lié ya et sa cause il décide by ville en holocauste dans cadre bataille pour libération peuple ça qui c'est révolution pour libération pays d'Haïti qui lancé 1er janvier 2024 là en pile que sauté ambassade yo père Guy Philippe mais quelque part yo comprenne Guy Philippe l'aime dit yo comprenne non yo comprenne démarche Guy Philippe là la babouti avec résultat et la aide pays en saute dans ça que le trouvel là ça vient faire que yo Guy Philippe son malheur prend Dieu pour yo qui sous tête yo. Eh bien, nous même comme peuple souverain, qui ça nous doit faire? Qui te m'balé? Qui choye avec nous? Alors, après-midi, nous estimons que nous pas monté dans l'heure habituelle, qui c'est 6h30. Eh bien, nous tenons là, oui. Tout est fort, nous fait pour nous arriver. Nous pas arriver à temps. Nous pour un véritable blocus. Et nous pas quitter côté à l'heure. Je suis vraiment désolé pour chaque grand monde qui a attendu nous, qui a gardé nous là. Et encore une fois, je salue nous. Je suis content pour m'ensemble avec nous. Parce que je ne suis pas capable de monter. Et je suis toujours enthousiaste pour que je vienne. Et devant la caméra, ça, des micros, ça, pour que je vienne parler parole paysan avec nous. J'aime toujours dire, bataille pays, pas qu'on facile. Mais c'est moun qui remet moun qui toujours engagé dans le cadre de bataille pour aider moun sorti dans une situation qui est compliquée. Moun sa le plus souvent, yo toujours dit la vie yo pas long. La vie yo très kout. Yo toujours mouri bonheur. Yo assassine en pile. Pas gen bon exemple de moun sa yo. Chaque sa commence bataille, yo touye yo. Et assassin yo, fait plus tap vive. Win well. Nous prenons exemple, sous Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, qui te mené combat pour te ba nou liberté. Yo assassine li. Yo fait crime sou li. Yo traîne cadavre li, yo coupe tête li, yo humilié li. Mais par conséquent, nous c'est un peuple qui a une plus belle histoire sur la terre. Bien que nous passons en papier, génération panouan, ou bien tout, nèg qui a fait politique en Haïti pendant 30 dernières années, yo passé combat que Papa Nation a fait en papier. Mais nous-mêmes, jodi a, qui a peine la trentaine, nous, que nous espérons que grand Dieu Jéhovah, grand architecte de l'univers, prêtez-nous, on a 30 ans quoi, parce que nous ne pouvons pas faire le regret, non? Ouais, papa, maintenant, qui est dans le ciel là? Si vous prêtez-nous l'autre 30 ans quoi, pas regret, non, papa? Ou pas regret, non? Ou pas regret? Et on va prendre des pays où? On va prendre des petits ou on va prendre des frères ou on va prendre des pays. Mais espérez que. Bon Dieu, prêtez-moi l'autre 30 encore. Discipline au maximum, précaution dans toute dimension, eh bien, fais-nous jeûner l'autre 30 encore, papa, maintenant. Parce que combat que nous avons mené, forme-moi l'autre Haïti. La Dominicaine dit comme ça que, en 1994, yot en chien, yot en rayon, yot en fatra. Eh bien, si moi, je dis, ma peine dans 30 moins. Si m'lan son bataille pour libération pays ça 2024 rivé 2025 moi mettez deux systèmes dans terre avec nous même peuple haïtien nous mettez deux systèmes dans terre ça veut dire que nous stat ça nous capable reler développement paysan en 2025 OK en 2025 avec leader conséquent dans tête paysan OK capable bay pays a vraie direction cap mettez sécurité stabilité et puis nous va mettre une équipe communication solide sous pied. Secteur touristique, là, nous pral voyer des jeunes à la formation dans de l'autre pays. Et puis nous pral rentrer dans le pays, vin promoter
secteur touristique nous yo, site touristique nous yo, n'a pas demandé l'état pour que li atterri là dedans yo, comme si m'da dû encadrer yo, faire des bagages extraordinaires et puis faire promotion pour yo. Premier bagage là, 2025 n'a promet peuple ça l'a gen bon gens internet, même gens la Dominicanie gen bon internet là, internet qui disponible pour tout le monde et que moun yo achete internet, yo gen bon internet. Bon internet. Ça veut dire qui ça? Pour vendre une belle image de pays, il faut gagner internet. Il faut gagner bon gens internet. Est-ce qu'on arrête avec un digicel qui a rançonné moun? Qui a rançonné moun? Puis mal passé ISO, si la pli bougoy kilik Dumba. Est-ce qu'on a quitté deux compagnies? Mais tête ensemble, il a rançonné aux populations. Tant que gang qui a kidnappé moun dans la Tibonite. Est-ce qu'on a quitté le fait? Non. Il faut que nous rentrions dans le pays avec deux, trois compagnies internet sérieux. Et que moun paye internet, yo jwenn internet pendant moi, et internet yo disponible. Imaginez-vous. Moi gen internet pa mnan. Internet pour que nous fè combat que n'ap mené an, pour nous fè travail ça sur réseaux sociaux, l'écoutez nous plus passer $170 américains pour internet là seulement. Internet ça n'a pas utilisé là. L'écoutez plus passer $170 américains chaque mois. OK, pour internet non seulement. Ça veut dire que ça, nous jouons bon gens internet pour nous faire ça nous voulons, je ne voulons dans dimension de ville là. OK? En Dominicanie, internet nous qu'on a utilisé, il te coûte 5000 à 6000 pesos chaque mois. Ça veut dire que ça, 100 à 120 dollars américains chaque mois depuis la Dominicanie. Qui internet? Internet que militaire dominicain utilisé là. C'était plus bon internet là. Mais par conséquent, gagne internet $20 américains chaque mois, gagne internet $500, $10 américains chaque mois, gagne internet $2000, $40 américains chaque mois. Tout ça, ça veut dire que tout chenille chez bois gens connaît. Même besoin d'internet pour faire travail sérieux pour et là la faire émission nous, pour le pas coller pour peuple là une belle image de nous-mêmes, eh ben nous payer pour lui. Nous payer pour lui. Appareil que n'a pas utilisé yo. C'est un pile l'argent qui dépensait. Nous faisons des sacrifices au maximum. Parce que nous pas qu'à quitter radio traditionnelle là, gizor et peuple là encore. Parce que radio traditionnelle là, gizor et peuple là, yo manipulé population, yo assassiné au président, yo fait peuple là aider au trouer président. Est-ce qu'on qu'à quitter radio traditionnelle là, continuer gizor et peuple là toujours? Non. Yo te gen monopole la parole. Et bien maintenant, yo pas gen monopole la parole encore. Chaque jour pas tandem là ou pas content tandem ou pas content partager émission yo c'est pas émission pa ou là nous mande au supporter plateforme nous pas supporter elle je dis mande nous supporter des compatriotes haïtiens qui en Dominicanie supporter plateforme nous pour nous aller en aide avec des compatriotes haïtiens nous fait en pays haïtien fait et moi merci nous pour ça tout le monde qui voulait participer continue à participer parce que c'est nous qui ca fait travail ça n'a fait là et c'est nous qui ca fait travail peuple là. Construction canal sur la rivière Massacre. Ça fait la presse en ligne. Qu'est-ce qui lance premier signal zone d'alarme là? C'est Infobeto, Busta John, Jimmy Mounafemo TV, Checo Peuple, Parler Haïti. C'est nous-mêmes oui qui te mettons tête nous ensemble. Marie Olivier, de l'autre ami, média en ligne, toute l'autre média en ligne prend. Mais c'est nous qui te fait. Et puis toute la presse en ligne, mettons tête ensemble. Nous collecter l'argent dans la diaspora, mais construction canal. Mais de l'eau canal qui est en bas de manger, et mes pasteurs Moïse qui est en monté gros château qui a stocké du riz. Ça veut dire que on moun a l'ouan amet, ou a manger du riz qui fait avec de l'eau canal lan, nan ouan amet, nan te ouan amet, sans que les bagues vieux produits dominicains. Ça veut dire qui ça? Tête ensemble. La presse en ligne. Et ça que je dis, hein? Dis-nous, depuis qu'on est dans les médias en ligne, c'est pour nous amener à l'aller, pour le veiller, pour le physien, faut bientôt. Nous pas besoin de peur. Depuis nous t'avons décidé et parler la parler. Soit la parler comme si depuis me connais la ba menti de moi pas répondre. Pas répondre sauf que nous sommes nèg en dehomier, nous sommes qui pas jambe baï moun vague, l'aime sentir vie fait mal. L'aime quoi avoir face to face. Li maintenant 10 ans. Maintenant 10 ans, on met connait deux doigts moi perdu dans yeux quand même. Depuis me sentir son méchanceté, qu'on décide d'utiliser yon micro qu'on gagne, qu'on ka parler bon parole. Belle parole, aider peuple à comprendre nos situations, on des situations dans le pays. Moi, c'est moins bête à attaquer. Ça veut dire que si on pas attaquer pendant que dans les médias en ligne, même j'en suis avant, n'a pas les pour Haïti ou décide d'attaquer directement, dit des bagages qui mal sous moi, m'a dit rien. Mais
Ni m'ap veyo. Tonè boule m'ap kwa zavò. Avant mouri m'ap kwa zavò. Et m'ap kwa m'souvle de doit sa wap perdi nan zyo quand même. Est-ce que m'al dimbeto? Oui. Nous capable pas prison parce que m'a faut payer le quand même. Il est clair. Parce que ou t'as fait méchanceté, eh bien, il faut payer le physiquement. M'a pas criminel, m'a pas gazam pour m'aller sous. Mais sauf que, quand t'as pour dédouatement, de peut-être même quoi qu'elle n'a fait. Ah, mon cher, pour qui pour? Ou appel? Vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Nous respectons tout le monde qui a bataille pour Haïti. De pour pas sous bluff avec peuple là, ou pas sous bluff avec tête ou, nous respectons. Nous croyons que, il y a un monde qui a fait engagement, alors qui prend engagement pour payer ça, ou doit respecter. Moi-même, qui est-ce pour me tailler, pour ne pas respecter le monde? Dans la dimension, moi, je suis haïtien, frère, je suis justement capé bon côté nous pour aider à mener le combat ça. De citoyens sérieux, honnêtes, compétents, qui ont échangé ensemble avant des fois, qui est-ce pour tailler pour ne pas respecter? Ou comment ça s'appelle, de l'autre ami qui n'a pas pris en ligne? Mais sauf que ça n'a pas dit. Monsieur, on nous mettait tout ego de côté. On nous font dépassement de soi. On nous met tête nous ensemble parce que la presse en ligne. Technologie en fait nous grâce là. Bon Dieu. Bon Dieu, dans ce là-bas, nous la santé. Il met intelligence là, la caille nous. Il développe elle. Et puis, on a fait travail, on a fait. On a exploité lui. On fait la bonne escient. On nous aide pays pour tout bon. Parce que là, c'était radio traditionnelle là, monsieur, dame, pendant 30 dernières années. C'est avec la presse traditionnelle là, et puis journaliste traditionnel là, qui aide les politiciens craser Haïti comme ça, oui. Ça veut dire que, ou même comme jeune, je dis, qui ont un micro en amont, considère son micro en or, qui a des oreilles qui bien nettoyées, on doit parler bon paroles là-dedans. Pas utiliser pour faire mentor sur le monde, pas utiliser pour détruire et jeune garçon, jeune femme pareil, ou, pas bailler mentor sur le monde. Remé moun. Bay moun love. Apprécier frère. Apprécier sœur. Ou toujours des moun qui va vivre parce que bataille ou faire, ou parler pour Haïti, ou parler bien de Haïti, qu'on est qu'on a gagné ennemi automatique. Et pas plus que majorité hein. Mais par conséquent, chiffre là pour beau quantité. Parce que y a gagné des et des années depuis que y a exploité peuple ça, y a tout pisé nous, y a pillé pays là. Et ben, on commencer première partie émission hein, avec photo et individu ça. Monsieur c'était ancien magistrat à Port-au-Prince. Monsieur c'est équipe Dimitri Vob et Reginal Boulos. Pardon. C'est bon jouet. Dimitri Vob. Eh bien, ça nous fait une comme information. C'est à travers monsieur que NAC secteur privé yo te financé Phantom 609. Parce que monsieur gagne pile zami dans secteur privé des affaires là. Monsieur gagne pile zami. Et nous fait une effectivement monsieur c'est un gros kidnappeur. Et DCPJ a toute preuve tangible l'emmène pour le prouver pays que monsieur son kidnappeur. Ça fait nous là nous ouais bandi là nous tendez audio yo kidnappé un tel c'est village de Dieu lié yo kidnappé un tel c'est tel côté lié pour qui pour. Pour qui pour tendez? Ils ont pas jamais sorti. C'est des policiers qui ont accès pour ce qu'il est tout côté qui a plaidé lever moun al planer yo. Dans le village de Dieu. Et ça cause, je dis, hein, ou est-ce qu'on panique total, bon côté, n'est-ce qu'on a deal ensemble avec Tilapli, Izo, Mano, Bougoy, Kili, Chrisla, n'est-ce qu'on a vivre ensemble en général? En général. Et ça fait qu'on peut vite l'homme innocent en pile. Et ça fait qu'on est obligé de parler avec vite l'homme encore. Parce que là, vite l'homme parle avec bien que le peur. Vite l'homme peur moins. Et l'homme dit, l'homme parle avec moi, m'bay que sauter, m'bay quitter moun parler, m'rache parole dans bouche li. C'est après la prendre compte que, eh ben justement, li bay trop vérité. Eh ben, nan fwezo nan kalalou, nou jen gan pile crime qui fait nan pays ya, et que l'homme pense c'est bandi qui assassine moun yo. Non, c'est pas bandi, c'est des exécutions sommet qui yoye. Citoyen sa bel et bien, retourne
avec bois à Milan qui fait l'argent qui c'est fantôme section 9. Et monsieur, gen plus, selon information, monsieur a gen plus passé un an en de pays, ya, monsieur là depuis sous Ariel. Et vérité. Ya. Selon information, monsieur là depuis sous Ariel. Monsieur dans pays, ya, monsieur a kidnappé moun, et ben, gon bagay qui pi grave dans pays, ya, que DCPJ pa jam vle faire lumière sous li. Nous, tout moun a parlé de tout côté, ministre affaires étrangères parlé, président parlé dans les Nations Unies, tout moun parlé, mais ou après que DCPJ pa jam rive sous nan moun kap fè yo. Trafic d'organes dans pays, ya. Pas oublié. Tout ça, son qui déjà gagné, yon avis de recherche de yel. Mais le talmaon, en Dominicani, système nan te aide le jouen asile politique, en Dominicani. Monsieur fait tout le temps à vivre là dans Piantini. Si pour le qu'on a poté comme pour lui, de temps en temps, eh bien, ambassade américaine sanctionne, alors États-Unis d'Amérique sanctionne isolant. Yon coupe visa isolant, isolant pas qu'à monter États-Unis. Li pa ka renouvelé visa. Yo di monsieur le pape pile terre américain, petit monsieur a gradué nan high school. Et ben justement monsieur pa ka monter États-Unis. Et ça qu'faut nèg monsieur la gèl nan zangi. Dernièrement la nèg yo gon ti avion qui sont tombé dans pays a, ti avion an, c'est pour nèg yo. M konn met ti avion an. Trafic d'organes nan gen comme couverture c'est marchand zangi yo. Et pays a doit konn vérité a. Fok de CPJ mare moun ka fait trafic d'organes nan. Trop moun disparaît nan pays ya. Trop moun disparaît. Nan pa yon de kidnapping rete. Yo kidnap ou de fo tourne. Si nèg yo psi, bon Dieu pou ou tourne. Le ou pon lan yo kidnap ou, yo fè fam ou ba yon kob, fam ou ba yon kob lan, yo tande ou pale, après ça, fam ou ba jam tande ou anko. Telefon yo tere lo lan, rele sou l'pap jen moun anko. Sak passe? Yo retire rein, yo retire cœur et puis quoi, yo fout boulil. Mais messieurs dames, son pays quand même. Nous arrivons au niveau pareil, et bien qui ça pour fait? Faut que nous connaît qui ça bagaille pour nous dresser situation. Et bien pour nous faire, nous pas qu'à faire dans tête chaud, c'est dans tête ensemble pour nous faire. Et bien nous même comme haïtiens cap subi zak malhonnête ça yo, la seule solution c'est faire tout sacrifice qui possible pour que nous mettons tête ensemble. Yeah. On nous met tête nous ensemble. Seule solution, c'est mettre tête nous ensemble. Parce que ça qui a passé la ligue avant pile. Trop crime dans le pays. Et tout le monde pense que nous avons là et parler de la police. Non. Gon dossier qui a bail danger à terre. Il y a disparu de jeunes garçons. Il y a disparu de jeunes femmes. Ça fait moins de 10. Jeunes dit, mesdames, qui ont sorti d'Elma, qui prend les tabac. Faites attention. Parce que y a des policiers qui ont trafic d'organes dans Port-au-Prince. Là. Yeah. Ces policiers fantômes section 9 avec l'autre policier qui régène l'équipe. Là. Policiers dans trafic d'organes. Policiers dans l'état-major police, ils connaissent le format. Ils connaissent le dossier, ils font comme là-dedans. Et bien, gros tour, ça va regarder sur l'écran. C'est ancien magistrat Port-au-Prince. Bras droit Nenel Kassi. Équipe SDP. OK, Jouet Dimitri Vob sur le terrain, yon nan assassin qui assassiné plus moun nan de pays, qui kidnappé plus moun, et bien monsieur dans pays ya, monsieur veye ki le pou Guy Philippe mette pied la tête dans Port-au-Prince, ki le pou Martin Moïse mette pied la tête dans Port-au-Prince pour que yo élimine moun sa yo. Monsieur gen moun sa yo sous lis. Monsieur gen moun sa yo sous lis. Monsieur gen Martin Moïse, monsieur gen Guy Philippe. Yo re Martin Moïse malin, yo pa ka joine ni. Même parler le pas parler, mais Guy Philippe là, c'est tant y a tant de commandant Guy Philippe rentre dans Port-au-Prince là. Ça veut dire qui ça? N'ego besoin tout Guy Philippe, ça pour nous faire. Mais pour nous rentrer dans Port-au-Prince, nous obligé clean Port-au-Prince d'abord. Faut qu'on balle ouze qui fait Port-au-Prince. Faut peuple là prend la rue un jour, clean Port-au-Prince là. Faut peuple là prend la rue, font balle ouze dans Port-au-Prince parce qu'il y a des têtes, nous doit prendre yo physiquement. Est-ce que nous ca quitter de vagabonds, de voyous by Guy Philippe bout terrain? Guy Philippe pas nous oui, côté leader là. Côté lui. Et ni chef révolution, hein? Côté li, commandant Guy, vous comprenez moi? Ok? Moi, merci pour ok? T'as le commandant, t'as le, m'bral bo parler. T'as le, m'a dit là.
chef révolution, commandant Guy Philippe, est-ce que nous avons quitté? Eh bien, nous avons un grand citoyen, ça, et m'a dit ça très bien. Nous avons peut-être un paquet de l'autre leader. Mais où est Guy Philippe là? Regardez nous. Mon cher, c'est pas collé, pas collé, pas collé. Ou ka kite ou perdu Guy Philippe ça? Pour quitter nèg fantôme 69 vin assassinel? Aïe, aïe, aïe. Renal Koutouar, Nenel Kassi, et ben nèg sa yo, yo font seul avec chef, commandant chef fantôme 69 lan, chef théoriste fantôme 69 lan, qui se ancien magistrat de Port-au-Prince lan, yo rele Ralph, yo Richevry, pour que nèg yo attaque leader charismatique lan, chef révolution qui n'a gardé sur écran, qui se commandant Guy Philippe, et ben justement nèg yo besoin attaquer Guy Philippe. Bam qui te commande à parler. Parce que je dis, aïe, monsieur. On t'a gagné Guy Philippe, ça t'a quitté sans ave, vacabon mal pour honte, assassin qui touye moun, kidnappé, vin assassiné. Je dis, on a fait prévention. Il faut que peuple ça apprenne à faire prévention. Gen menace sous nous, gen attaque à préparer contre nous, et bien nous faisons contre-attaque là. Nous gérons tête nous. Commandant Guy Philippe, on ne faut pas parler avec le pays. Donc, moi, merci pour l'opportunité ça nous, bon, mon petit balai. Nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Nous saluons nous et l'équipe décantée. Et donc, son plaisir pour moi maintenant pour nous faire parler ça. Sénateur Guy Philippe, et certainement, vous avez milité depuis longtemps pour permettre que les choses changent dans le pays. Et je dis, par rapport à la situation que nous vivons là, vous avez peut-être un monde qui souvent prononcé sur ce qui a passé dans le pays. Mais juste avant que nous rentrions dans les détails, qui gens ou même, en tant que tel, après environ 9 ans que vous faites en dehors de pays, nous tout compte qui s'est arrivé, qui je comprends ce qu'a fait dans le pays aujourd'hui. Bon, moi je pense que c'est un bagage qui a fait à dessein et c'est des forces que nous pas contrôler, que peut-être je dis à nous identifier et mais que nous pas capable contrôler qui cap jouer pays à on. Donc moi je dis que projet et que ça son projet construit que des forces que nous pas contrôler, que nous identifier aujourd'hui. Qui est le pays dans l'état que l'il y a là? Mais je pense que avec conviction, détermination, n'a pas arrivé à changer et ça n'est pas voulu bon nous comme Haïti. Donc c'est ça que je dis, je suis d'accord avec que faut que Haïti prend conscience, faut que nous campions pour le pays nous. Et si nous campions pour le pays nous, vraiment, nous n'a pas changé les bagailles que j'ai là. Je dis à l'on retourne dans le pays. Ou c'était peut-être une monde qui t'a prôné la révolution. Et on parler de révolution, yo manqué comprendre révolution qui ça lié. Ou même qui t'a vu des cap cléoné, révolution dans oreille population. Pour moun ne capable comprendre pi bien démarche ça. Côté que ou voulez aller, est-ce que révolution son bagay, nous t'ap capable de faire dans l'immédiat côté ou prononcer là, ou bien les gagner yon marche à suivre. Nous même n'ap prôné en révolution. Mais pour nous faire révolution, pour venir réel, pour changement que nous promettons, fait faut nous révolution, force populaire prend pouvoir. Jusqu'à présent, c'est une démarche pour nous arriver sous pouvoir et pour nous établir et tout ça révolution pour nous faire venir en réalité, c'est tout ça notre travail là. Donc oui, me demande une révolution parce que c'est pas et on se crée pour aucun monde que dans l'état il y a là nous pas une institution dans pays à cap marcher. Jamais. Souveraineté ne pas cap parler de ça encore. Du tout. Donc l'état, je dis à la garde un exemple, l'un des commencé, l'autre commencé avec Ariel Henry, je dis à nous gain 9 nègres et yo kembe 3 là-dedans, non cas de corruption grave. Et en pile l'autre là-dedans, yo gain l'autre problème avec la justice et avec question fou et main dans sac pas pour yo, dans question l'argent l'état. Malgré tout international là qui est posé surtout ambassade américaine qui est posé 9 membres ça yo campé yo dit que c'est ça pour Haïti, c'est ça qui semblait avec Haïti et c'est dans route ça Haïti doit aller. Nous tendez ça qui passe par exemple pont sondé côté plus que 100 monde mort, nous voyons comment il a maltraité haïtien yo Saint-Domingue, Chili, Brésil, tout. Donc c'est peut-être ça le toute institution crasée, leur population plus que un haïtien sur deux, plus qu'un haïtien sur deux, 5 400 000 haïtiens, selon les Nations Unies, a mouru grand goût chaque jour. Lorsqu'ils dans le pays, dans le plein 21e siècle, pour que le plus gros problème au peuple, le plus gros problème au monde élevé, c'est qui ça va le manger. Côté le droit de l'homme.
Donc, yo réduit non stade pour nous vivre dans bête. Pour nous penser dans bête. Vente nous seulement cap mené. Donc là, tout bagay que nous dit là, explique grandement. Pour qui ça? C'est seul en révolution. En révolution, son changement radical. Radical. Dans la structure de l'État. Dans bagay yo j'en apte. Donc, nous était quoi? Je dis encore que révolution, c'est le seul chemin qui a mené Haïti côté peuple à attendre que justement. Chaque fois que vous prononcez au sous question révolution, dans l'opinion publique, et en pile, moun a questionné Tétio. Guy Philippe, particulièrement, a parlé de révolution. Mais avec peuple ça, qui pratiquement endormi, qui acceptait tout sa caprivé lio, est-ce que tout bon vrai, dans ça que ou gagné comme compétence, dans ça fait comme recherche, ou web peuple ça voulait aller vers la révolution que Guy Philippe avec force révolutionnaire de tête nationale a prôné? Le map gade peuple là, tout partout, dans la diaspora, le map gade là souterrain, que ce soit Tigual, Wanamet, Miragwan, Okai, Jérémy, tout partout, Gonaïve. Tout côté belle, pour moi, donc changement, oui. Je pense que le peuple a voulu changement. Malgré misère. C'est la police qui handicap là. Il a voulu changement. Et par conséquent, pardon, commandant. Par conséquent, c'est la police qui pique gros handicap là. Il faut que tout le monde comprenne ça. La police, c'est pique gros handicap là. Le peuple a paré pour une bataille. Mais est-ce que la police paré pour une bataille pour une vraie révolution pour libération du pays ça? Juste à venir comprendre que. Tout ce qu'a fait pour que ou ta permettre que pays ça sorti dans sa culture dans le plus vite possible, et ben aux jeunes qui est-ce qui devant, c'est la police nationale d'Haïti. La police campé en face avec zam qui achète avec l'argent taxe pour le physio encore et la physio pour tout bon. Dans sens ça, si c'est zam qui nous acheter avec l'argent taxe nous que l'a utilisé pour craser nous, et ben de fait nous pral prendre la main, là nous prendre la main. N'a pas kebel la main nous, là pour kebel la main nous. N'importe groupe nous jeunes qui pral attaquer nous, n'a pas défendre tête nous. Révolution pas gete te lang. Et Jean commandant Guy Philippe te dit, révolution pour prêt pour manger propre petit li. Dans face que nous trouvons là, nous pas ka faire bac. Ça cause nous ouais. Gros c'est m'a fait là, c'est prévention que yoyé. M'a fraison dans kalalou pour nous joindre information sur ça qui t'est passé et ça pral ça ka manigancé pour passer mais justement pour pas arriver. Parce que yo pas ka arriver. Faut faire bataille dans toute dimension jodi an. Vrai que parfois yo on ti jan peur. Répression que force la police a fait sur vous chaque fois que vous voulez manifester. Mais je pense que oui, avec le peuple, j'en ai là. L'évolution possible, le peuple a voulu et l'a fait. L'a fait quand même. Par qui moyen? Parce que ça est très important pour nous. Parce que faut nous qu'on écoute que nous bralons. Et chaque jour, nous prenons même bagaille. Mais il faut nous qu'on écoute que nous bralons. Est-ce que Guy Philippe avec l'équipe a gagné une méthode? Facile que tout le monde soit capable de rejoindre dans la bataille. Puisque ces derniers temps, Haïtien plein en pile, yo dit chaque fois, yo gen de moun nan politique qui mène au nom bataille. Yo pral fè bataille la, bataille la réussi, et puis c'est eux-mêmes qui continuent à vivre dans la misère. Moi, comprendre et peuple là, vous comprenez moun yo, 86, en pile moun bataille, et puis système nan récupéré, 2004, même genre, avec Ariel Henry dernièrement là, ça passait encore. Donc moi, m'a dit, monsieur, moi, nous connaissons nous façon système. Un système qui organise tout le temps pour récupérer le pouvoir. Et je vais vous deux exemples. En 2004, bataille arrivée, corruption, pays, mauvaise élection, tout désordre. L'équipe Capman me demande des changements pour le pouvoir. Mais immédiatement après, même le secteur qui est dans la bataille ensemble avec l'équipe vraiment qui est dans le changement réel, c'est au même encore l'ambassade américaine qui signe un accord tripartite et qui remet le pouvoir à blanc. C'est ça qui passe en 2004, par exemple. Qui fait que toute promesse qui était faite, you n'a pas atterri parce que bon groupe et mercenaires, qui a un groupe 54 là-dedans, qui a un ensemble des partis politiques là-dedans, négocier les go et partis opposition, qui a un groupe étudiant, feu et puis Grafné qui était là-dedans, toi qui as ça, yo viré d'eau, yo baille tout bagaille qui était planifié dans la rencontre qui a fait en République Dominicaine, une fois que Aristide finale, ou après que le 1er mars, dans la rencontre que nous avons fait dans l'hôtel El Rancho, pour nous établir le pouvoir, pour nous dire, OK, mais ça ne dépend pas, mais qui j'en balvel, pour que nous levions qui des réunions. Des réunions, tu as un Béki à la dalle, tu as un Kaplin à la dalle, tu as un Diapé de la dalle, tu as un représentant étudiant, Imler et le colonel Rébu de là, pour que nous levions. Et il y a l'ambassade américaine, toi qui as la dalle, il y a le signé, un accord tripartite. Côté, il y a le mettre Gérald à la tortue, nous ne pouvons pas côté le sorti,
comme premier ministre, et puis il prend pouvoir, et il prend exonération pour 3 ans, et il fait Haïti, il remet blanc, il remet le système dans le pouvoir. Voilà. Ça veut dire qui ça? Effectivement, les États-Unis d'Amérique, c'est un acteur clé, et ils décident pour que, mais qui est-ce qui a venu chef en Haïti? Nous devons prendre la dimension, et nous devons qu'on a géré ça le plus vite que possible pour que ça ne continue. Parce que si les États-Unis toujours de mettre chef en Haïti, mais chef que le météo, c'est détruire Haïti, mais de fait, nous obligé mandel, les États-Unis d'Amérique mettent le col de côté. Parce qu'on ne paye pas qu'à sentir pourri comme ça. Et pour dire, on continue à payer mal propre, terrible au pouvoir. On ne paye pas qu'à sentir pourri dans les yeux le monde entier comme ça. Haïti, l'aide Haïti, senti. Et puis nous disons comme ça que nous ne pouvons le peuple à mettre moun pas au pouvoir. Est-ce que logique? Pendant que nous propres, là, nous sentons bon, là, nous avons la paix, la stabilité, la sécurité, puis nous a fonctionné, l'économie n'a pas marché bien, peuple nous pas de problème du tout, et puis on peuple en bas, il est 45 minutes avec nous là, nous avons foutu mourir grand goût, coup de balle à foutre tout yé yo, et puis comme si nous étions supportés, on s'est des sans avec pour être chef dans le pays d'Haïti. Ça sont route, mes amis. Faut que les gens qui ont parlé, avec les États-Unis d'Amérique pour suspendre. Ils n'ont pas fait en Dominicani. Ou ils ont fait en Haïti. Si ces politiciens que vous joignez, que nous retirez pour pas jouer encore, pour connaître que nous pas voulons l'exa yo, et vous suspendez, faites back, que nous foutre prendre décision nous comme peuple, parce que c'est pas possible. Entendez comment Guy Philippe. Système n'a pas capacité pour récupérer bataille peuple là qui est étonnant. Faut nous reconnaître ça. Ou après Ariel Henry, nous commençons mouvement, tout côté, peuple a campé, red, diaspora a campé. Mais le blanc, ouais, avec système, ouais, que vous pas capable à aucun côté encore. À Ariel Henry. Yo même encore, yo kembe Ariel Henry de yo pays ya. Yo fè nou kwè ke se tire te gen boye pot, en attend nou. Si blanc te vle Ariel Henry vini, si système nan te kon Ariel Henry te kap continue, et yo pa trè yo en danger, yo tap fè le rivier Saint-Domingue, yo tap pon hélicoptère militaire, yo tap fè lakay li, nan bureau, et yo tap bal sécurité. Système nan li même li wè, se on jè pou le récupérer pouvoir encore, pou le craser mouvement peuple la, yo fè le. Et yo jwenn des haïtiens ki a aidé yo fè. Quand nous disons à Jean-Oye, qui a ces apatrides qui pour vendre le pays encore une fois et qui viennent bailler CARICOM avec les États-Unis chance, puis ils viennent imposer nous, Conseil 9 Mamsa, Premier ministre Kony, ou équipe Moun, qui va comprendre rien dans la réalité du pays, et je dis à maintenant qui pays que nous avons là, nous sommes notre. Donc c'est comme ça, le système est toujours organisé pour le pouvoir. Et moi-même, je suis victime plusieurs fois. Moi-même, personnellement, victime. Moi, victime en 2004. Je prends exil, je prends prison, je passe misère, je fais tout le bagaille. Moi, là encore, nous victimes. Nous avons 7 nègres qui viennent chercher avec et pour bombe sécurité et assassiner tout. Et je dis à quelqu'un l'autre là-dedans qui est en prison. Donc moi-même, je suis une grosse victime. Mais je dis que ce n'est pas parce que nous sommes victimes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour ne pas continuer jusqu'à ce que nous joignions Haïti que nous réveillons. Donc nous avons continué ces forces là, ces déterminations seulement qui sont bonnes et ça nous a cherché contre le système. Ça. Et cette fois-ci, nous prêts. Je dis à tout le système nous réunis ensemble. Corrompu yon réunion ensemble non CPT. C'est ça qu'il faut que malgré tout gros problème corruption qui est là. Yon pas qu'à révoquer nèg yo parce que yon tout mêlé là-dedans, yon tout nan corruption. Sou révoquer ça, l'ap dénonce. Et international li même qui se papa jouet là, qui n'y a marionnette yon, capturé ficelle, li même li pire mêlé se nèg sa ou qui nan pouvoir. Parce que nèg sa ou gen zano ka ou fev, yon kap fè ou fè sa ou vle, lè ou vle, jan ou vle. Mais ma di population, c'est pas parce que 2-3 fois nous qui ont frappé une fois. Pour ne pas continuer. Continue. Si après Macandal fin frappé, si après Boukman fin mourir, si après déportation Toussaint, des salines de croisé bralé, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Nous ne pouvons pas continuer à avoir indépendance. Pas de pays. Donc bataille là parfois elle prend un titan. Bataille là contre plusieurs étapes. Et je dis à m'espérer que cette dernière fois d'appel, ils ont invité la population pour nous continuer, pour nous mobiliser et pour nous demander changement, pour nous réclamer changement, pour nous manifester pacifiquement. Et en même temps, moi dis faut que nous gonsse une sécurité tout partout. Exactement. Faut que citoyens honnêtes, yo policiers honnêtes, militaires honnêtes et BESAP honnêtes, moun honnêtes et organisé en système de sécurité pour permettre que l'on prend la rue, si ne pas faire des ordres, si ne pas craser, ne pas briser, pour la police pas venir attaquer nous comme si c'est de vulgaires assassins. Pendant que attaquer nous par exemple, ma photo, j'ai un système là fonctionné, il y a pas attaquer moun qui veut faire manière pacifique, mais pendant ce temps, ou après que tabac mes problèmes. Population a demandé aide, il va jouer. Solino, peuple a demandé aide, il va jouer. Car vous faites n'importe tout partout dans le pays, capital là dans le monde avec ZAM, et il a paniqué, et police n'a pas aucun côté. La Tibonite, plus que 60 mouvements, il y a police. Mais content de pacifiquement, peuple a voulu manifester,
c'est là où est la capacité de police. C'est là encore pour nous que si les policiers ont été si la police comme institution ont été voulus, il y a sécurité. Nous avons besoin de Kenya qui vient faire des mascarades qui ont fait là. C'est volonté politique qui n'a pas gagné. Ce système-là toujours organisé pour qu'il y ait un chaos, une instabilité, une misère, pour qu'il y ait continuer à piller toutes ces richesses qui sont en bas sous sol nous et mener Haïti et côté à mener. Donc, on ne va pas décourager, même là, on frappe, on continue et on arrive. Sénateur Guy Philippe, nous sommes avec un peu d'attention, surtout au fond, rappel sous bataille que nous avons mené dans l'année 2003-2004 pour nous être capables vraiment de chavirer l'ancien président Aristide. Sénateur Guy Philippe, jusqu'à présent, il y a un pile de monde dans la population. Après la bataille ça, en 2004, qui toujours quitté avec un tag que Guy Philippe vient lancer bataille-là. Bataille a réussi et puis n'a pas cherché le nom par le côté le passé. Et là, on s'est expliqué clairement que Guerre de Nègre qui était ensemble avec vous, non réunion, Nègre de Levé, qui était réunion, et allez, est-ce que je dis, ou pas peur encore, pour pas trouver dans la même situation, ça, quand on met non bataille. Et puis après ça, même système, on parle à là, je te dis, le système a toujours fait en sorte que le capable de contrôler bataille peuple là, et puis pour le prendre pour lui. Ou pas peur pour ça, pas reproduire encore l'autre fois? Avant que le commandant Guy Philippe réponde, je vais souligner ça. Alors, bam dit ça. Et tant pas même, tant évolué, et le système n'en comprend ça. Et c'est une bagaille que m'a dit, public là, ou le peuple haïtien qui a tendu là, au pays d'Haïti, pour yon comprendre, et pour yon compte qui j'en que y a bataille. Le système est extrêmement intelligent. Il fait prévention, le pour le faire prévention. Il agit, le pour l'agir. Il fait lobby, et occuper l'opinion, payer des journalistes pour faire lobby pour lui, pour gérer l'opinion pour lui, détourner attention au monde. Il fait le pour le faire. Mais le pour le pas arrivé, il pas que tout. Ça qui, toutes armes que l'utilise yo, li fin servi avec yo, tout kan yo fini, mais justement, li kounya li passe nan denye, comme si yon d'adjou, et green pat, green stratégie que yon rete ya, qui se assassinat, exécution sommet. Yo penché sou système judiciaire lan, yo penché sou la police, et yo fèl avec la police, la justice aide yo fèl, et protéger yo, et puis s'entende ya, yo campé en bout de tour dans pays. C'est toujours violence que toute bataille que le système n'a gagné, c'est avec violence. Jovenel Moïse, c'était une révolution qu'elle t'a fait. Moi veux le pays me comme ça. Jovenel Moïse, c'était une révolution qu'elle t'a fait. Et c'est révolution ça que n'a pas de arriver dans bout de lit. Yo assassiné président. Yeah. Jovenel Moïse, c'est une révolution que l'on a fait dans le système. Et le système n'a comprend ça. Il prend bonheur. Il agit vite. Il exécute le président. Le système est intelligent. Ça veut dire, je dis, hein? Faut nous pas jouer avec Mounzaïo. C'est que moi, je dis que, alors je dis que, comment est-ce qu'il ne faut pas qu'à bêtiser? Ou mander une cellule de sécurité, ou prendre toute disposition. Ou parle avec l'équipe ou dit qui ça qu'on besoin, nous mettons pied dans la bataille pour nous joindre tout ce besoin yo pour que nous fassions bataille là. Parce que c'est seul Guy Philippe tout est là, qui est à terre, que nous avons peur dans la dimension ça. Sur le plan électoral, yo peur Martin Moïse en pile, parce que yo saute manqué tout yel, yo assassiné Maril, et yo voit que yon retombe politique que la joine. Pour côté la paysanne haïtienne, n'a yon peur pour que li rive dans l'élection. Parce que li yon connaît que l'ap gagne yo. Dans ce sens, le système n'a décidé pour assassiner caractère, mettre de ses justice sous dol, et puis chercher tout yel physiquement. Mais nous dit, nous avons plusieurs pions. Et n'a sous tout tableau. Dans le cadre de révolution pour libérer son peuple, ça, nous avons pris pouvoir et nous devons prendre pouvoir. Pour l'un faire référendum constitutionnel pour que nous menions pays à l'ordre, comme si nous avons dit, à l'ordre démocratique, pour nous faire élection. L'un faire référendum pour éviter diaspora haïtienne de participer à une élection. Le s'en a des candidats solides. Et Martin Moïse n'a pas peur, l'a souterrain. Ça veut dire que ça, le système n'a pas tout col. Nous-mêmes, comme peuple, nous devons jouer tout civis tout. En nous quittant le commandant Guy Philippe pour une question, ça, si nous attendons bien, qui ton commentaire pour moi, tant pis, s'il vous plaît. Moi, salue chaque gagne dans nous. Madame Evelyne, nous y en pile l'amour. C'est ça que fait après aujourd'hui, nous même nous dit, peuple, nous, c'est seul allié. Nous n'avons pas l'autre allié. Guy Philippe n'a pas allié. Seul peuple haïtien a allié.
Ça veut dire que nous devons faire ensemble. Mais le jour qu'on fait un coup contre le peuple, on va le faire contre. On va assurer qu'aucun monde ne va venir le peuple dans tout ça. Donc c'est ça que fait moi-même, je dis à mon confident, j'ai un pile confiance que oui, cette fois-ci, délinquants, ça, machin de pays, ça, traite de l'intérieur, ça, il n'y a pas de cap continuer à craser Haïti. Révolution a privé, changement a privé. Nous justement des monopoles, quoi? Quoi? Et après changement. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes radio, Télé-Guinée, après appeler nos gains avec nous dans l'émission Décaté jeudi, coordonnateur national, force révolutionnaire d'entente nationale, ancien sénateur élu département Galastan, Guy Philippe, malheureusement, qui n'a pas été fait madali. Et moi, je pose une question, sénateur. Jeudi, le pays a bien une insécurité généralisée. Gué de côté de mon abdi, mais si nous gagnons, Guy Philippe, par exemple, on est par rapport à compétence li qui était passé dans l'armée, qui était dans la police, li compte qui sa bataille là pour mettre sécurité, mais li même et li pas collaborer avec équipe qui là pour mettre sécurité. Est-ce qu'on capable répondre moun sa yo? Premièrement, Mabdou, équipe qui là, yo pas ta mandé pour collaborer parce que patron yo pas jamais d'accord. Bon, c'est pas d'accord. Blanc pas d'accord. Blanc pas d'accord, d'accord, on est d'accord pour responsable question sécurité dans le pays d'Haïti. Haï blanc li même livré pour la faire toutes des autres ayo pour les la fouiller la voler bagaille dans sous-sol nous pour le contrôle toute structure sécurité pays là l'élever la gaine dans instabilité pour la gaine l'élever la gaine dans chaos pour la gaine nous donc blanc équipe ça au système là yo pas besoin moun tant koun pour aider m'te toujours dit ça m'te dit le rentre comme te dit m'k ap ba yo et consultation parce que problème là nous pas cap garder seulement problème délinquant ça pas yo faut garder délinquant cravate yo. C'est délinquant à cravate, c'est conséquence ça, délinquant à cravate, a fait, qui fait que délinquant à ça, pas toujours dit à la, a fait ça, a fait. Donc, nous-mêmes, comme société, nous avons une responsabilité, nous, dans ça qui a privé à la, insécurité, on va parler à la, nous ne pouvons pas prendre son seul aspect, sans dans la rue. Faut ouais, insécurité sociale là. Justement. Faut ouais que pendant plus que 30 ans, tout l'argent qui rentrait, tout gros débout sont faits pour Haïti, tout le monde, c'est 10-15 nègres qui volaient tout le problème. Ils volaient tout. L'hôpital va faire. L'école va faite, l'université va faite, nous pas aider mon. Sénateur, parce que nous t'as faute scolaire là aussi. Le problème dans vivre aujourd'hui là, faut regarder aspect social problème, problème social. L'État qui, l'on pays que premier gang, premier bandit, c'est l'État, son problème. Parce que là, l'État va faire l'école pour tout le monde aller. C'est gang, c'est bandit, l'État ça. Malgré que la loi dit instruction primaire obligatoire. Et l'État va faire aucun moyen pour tout le monde qui est là. À l'école, à l'école. Et là, deux, trois à l'école, il n'y a pas même bien livre. Il n'y a pas manger. Misère totale, tout partout. Parents, même jambes. Papa, même jambes. Maman, même jambes. Donc, l'autre, il y a une vulnérable comme ça. Là, il n'y a aucun espoir. Et même là, à l'école, là, il y a une classe, c'est les motos obligés à le conduire ou bien retourner sur votre parent. Donc, l'autre, pour une société, l'autre, pour une équipe jeune, ou craser tout espoir, pour qu'on sorte dans la misère, même là, on fait effort. Ou bien faire vulnérable tellement que l'on bandit à cravate, il y a un exam, libre aux exam, libre aux exam, non. Il dit bon, ça, qui s'est pour le perdu? C'est ça qui est là dans la zone défavorisée. L'État pas de jambes là pour nous. L'État te, nous te ferme les portes sur nous. Et je dis, ils ont révolté. Et c'est même l'État encore, même l'ambassadeur qui a armé. Moi, je ne pas là. Tout le monde connaît pas là. Donc, ce n'est pas moi qui ai bandit ça. Je ne parle pas comme ça. Ce n'est pas que je suis bandit à sa patte. Mais nous ne pouvons pas juger à sa patte si nous ne pas condamner à cravate. À cravate, bien sûr. Parce que nous avons le même problème. Nous sommes commandés la police. Nous avons l'armée rouge qui a des problèmes. Nous allons résoudre le problème. Non? Oui, comme policier, nous résoudre le problème. Non? Mais est-ce que je dis que le problème n'est pas plus raide? C'est parce que le problème, non? Accompagnement social pour l'État, pour l'État te faire. Nous ne pouvons pas faire. Nous baignons la corruption trop. Nous volons toute coopérative. Nous vendons tout ça l'État te gagne. Téléco, minoterie, cimenterie d'Haïti, Enarol, tout le bagage nous gagne pour des produits. Nous volons tout. Durine crasée net qu'on y a. Tout le bagage c'est importé. Nous voyons les corps Petro-Caribéa, impunément. Nous voyons les corps de construction et pays après tremblement de terre, impunément. Des milliards de dollars. Et puis nous pensons que ce n'est pas ça que tu as bien. C'est ça, il a bien. Insécurité, il faut que nous crasions, il faut que nous neutralisions. Délinquants à sa patio, ça va gagner un menti là-dedans, il faut que nous neutralisions, en façon. Mais délinquants à cravate, il faut que nous assurions que nous n'avons pas jamais nuit l'État encore. Parce que c'est eux qui ont crasé l'État. C'est eux qui ont utilisé ces messieurs et ces mesdames les rabzards. Même parce que nous avons un plan pour nous sortir dans l'insécurité. Si vous voulez attendre, nous avons un plan. Et puis, il y a qu'à joindre une route. Nous avons une sécurité, stabilité, dans moins que 90 jours. Si c'est le monde qui est capable, qui est capable de prendre une décision.
Très bien. Sénateur Guy Philippe, je vais poser une question. C'est sûr que vous avez une réponse à la question aujourd'hui à son antenne radio de la Guinée et tout le monde a aptado, pays a aptado, et le monde de la diaspora a aptado, il a compris plus bien l'approche que vous voulez faire. Donc, ce que j'ai dit, le sénateur Guy Philippe parlait de une question amnistie pour monsieur qui avec Zamio, pour groupe Arméo. Qui sortez vous voulez dire par là? Essayez. Et développer plus ce que vous avez dit et pour que vous capable de comprendre l'autre, vous parlez de question amnistie, qui ça le dit? Je dis encore, moi, quoi? Alors, je dis encore, gang à sa patte ou gang à cravate. L'un des amnistie, je ne pas spécifié pour me dire seulement pour gang à sa patte. Moi, je dis pas bon amnistie qui baille. Pendant que tout le monde a focalisé, focus sur son question, oui, Guy Dilwal, monsieur, et vivre ensemble, et amnesty, c'est même négatif, c'est pas. Non, je ne pas dit que ma baye, monsieur, vivre ensemble seulement amnesty. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait une amnesty, parce que nous-mêmes, comme monde haïtien, nous coupables et nous responsables dans ça qui fait là. Bon, m'expliquez. Le village de Dieu fait ça, le fait avec Nex Swatio, Matisse a commencé à avoir des problèmes. Nous-mêmes, société, nous ne pouvons pas croiser bras nous. Tout cas pour tomber. Quand on a l'air croisé, grand est pas qu'à rentrer, sud est pas qu'à rentrer, sud pas qu'à rentrer, ni pas qu'à rentrer. Ça nous fait, nous prenons un avion et nous mettons pour nous, qui prend nous pour Port-au-Prince, qui la gagne Miragouane ou bien Tigouave. Nous faisons gens contourner les problèmes là, au lieu de chercher une solution pour le problème là. Qui fait que le problème là vient gangrener quand on a là, il vient difficile. Quand on a un monde qui pas qu'à venir, mon plateau central pas qu'à venir, tout partout. Premier ministre nous promet nous que le bras quartier par quartier, oui, bah, je dis à qui ça passe. C'est l'inverse. Donc nous-mêmes comme société, nous-mêmes comme monde, qui ça nous déjà dit les problèmes ça va t'a fait? Est-ce que nous débat pression à l'État? J'aime d'abord il y a là. Amnistie son bagage qui prend plusieurs étapes là-dedans. La bien commission justice. La bien commission vérité. Mais tout ça, attendez, tout problème, la commission vérité à opérer. Commission vérité. Après commission vérité. En attendant. Et fuck gang, fuck doit gang. Qui tue les gens, qui kidnappe les gens. Pour bailler amnistie, il faut que vous venez devant pour dire oui, je fais ça. Mais pour raison de faire, mais l'argent de prendre, mais qui côté d'aller, mais qui bon, tout comme il fait. Mais pour qui ça me défaire? Le soir, ou même comme l'État, ou une bonne sac t'as passé, et vous dites, ok, si tu as pris 10 ans, ma bon 5 ans. Et après, je vais faire un bagage, un programme de réinsertion, pour vous. Et pour ça, tout petit, quelque part, vous dites, ok, n'a pas pensé à vous. Mais à me dire ça, li bon tout pour monsieur assassiner le président Jovenel. Yo. Nous prenons le président dans nos pays, nous assassinons dans nos chien. Nous traînons dans la boue. Nous faisons mercenaires entrer dans nos pays, écraser. Après tout nèg qui coupable, nous prenons une voie aux États-Unis. Tout le monde qui signe pour voir nèg ça aux États-Unis, à juger États-Unis, yo tout, d'après moi, c'est notre tuer président Jovenel. Qui l'a fait ici à Jamboun, qui s'est passé avec le président Jovenel? Mais nous disons, ou même tout, souvine l'Oshita, ou bien vérité, nous cap bon amnistie. Ou même qui voit les coopératives, ou cap jouer une amnistie, n'a pas l'air, ou abdine, puis on voit les coblas, qu'on cobla fait. Ou même qui crase l'armée d'Haïti illégalement, qui sont institutions de l'État, ou violent les constitutions. Ou quand je viens d'amnistie, pour expliquer qui pression internationale qui est sous dos, expliquer, disons parole, pour peuple attendre, pour pays attendre, pour nous comprendre, pour nous barrer, faire bagaille, nous faire, Petro-Caribe, il y a tout comme yo là. Yo c'est domaine, yo États-Unis, yo dans gros château, yo acheté. Dans la commission vérité, ya, moun plame public dénoncé yo, faut nous mener yo devant la justice peuple là, pour yo dire côté comme la fin. Qui ça va faire comme là? Et si comme la notre banque Saint-Domingue, il n'a pas qu'à acheter Saint-Domingue, ou États-Unis ou en France, ou dans le pays à Kobli, et là ça, paie nous, après du, ou même qui voit les cobres de construction Haïti, ensemble avec gros famille États-Unis, ou même tout amnistie à Bobby. Donc amnistie, commission justice, commission sécurité, et bagaille pour réinsérer mon dans la société, c'est important pour nous jouer une cohésion nationale. Et l'aime bien avec la, c'est pas bien avec seulement, parce que Mandela était content, et même nègre. Quatre dans la prison, l'élevé pour sauver l'Afrique du Sud, l'obligé de balancer de l'amnistie, l'obligé ouvrir bras. Ou pensez, et par exemple, roi Henri IV en France, t'es content? L'élevé obligé de bailler et protester à catholique ou amnistie, l'élevé de des milliers de monde qui mourit et un paquet de cailles et boulet. Mais l'obligé de bailler pour sauver la cohésion nationale, pour sauver le pays, pour sauver la souveraineté et la France. Donc, c'est pas un premier pour accueillir pour venir avec la question amnistie. La République dominicaine, la rejoint route. C'est Don Antonio Guzman. Il va dans le crash avec Balaguer. Il va dans le crash avec tel monde. Il va faire assassinat. Il dit qu'il a fait Boron et Quentanoeva. Il va dans le pays. Les États-Unis font avec Jimmy Carter. Et dernièrement, là, il se fait les États-Unis encore. Ni dans New York, ni dans Californie. Côté, il y a une mission, une série de monde, une série de bandits. Pour qu'il y ait la paix. Donc, pour qu'il y ait la paix, nous-mêmes en Haïti, que nous jouons la paix. Faut que nous jouons la paix.
et pour nous la paix faut qu'on chita parler et pas amnistie pas n'a pas veut dire impunité hein au fond Zac il y a connait qui Zac fait faut connait dit société à mes sont fait mais qui mal ou fait et on dit regret on pas faire encore c'est comme on aider l'état lui-même pour résoudre problème de façon définitive l'état qu'a bon amnistie si gros monde tout qui font bagarre exceptionnel qui te fait payer en pile mal et je dis à prendre conscience et lui fait payer un paquet de bien l'état qu'a bon amnistie. Donc c'est comme ça amnistie il faut que nous connaissions la vérité, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait sécurité, il faut que nous remettions les gens qui perdent, les gens qui perdent du caillou, les papas qui perdent du petit, les boulets et nos machines, les gens qui déplacent pendant combien de temps, il faut que l'État dédommage les gens. Donc c'est ça qui est le plan amnistie que nous avons parlé. Ce n'est pas impunité. Ce n'est pas impunité. Et voilà, nous t'attendons commandant Guy Philippe. Mais ça qui est important encore pour que nous ajoutions, et gagné une intervention que président Jovenel Moïse t'a fait la radio la capitale pays d'Haïti et parce que et là tout ça n'a parlé de révolution c'est réforme prend pouvoir et puis justement faire des réformes en dedans l'état et pour nous permettre que paysan est capable jeune yon alors on souffle et pour nous retirer peuple dans la situation difficile que l'a connaît et il y a un pile monde qui peut-être a un problème avec réforme yo et c'est une bagaille qui mettait président Jovenel Moïse en bas terre et m'té décidé fayon et font tande Jovenel Moïse encore jodi a pendant que m'té dans la rue m'a couru pour rentrer m'té estimé que m'a pas en retard pour me porter émission pour nous pendant dans machine là m'a tande président Jovenel Moïse là même dit bam faut tirer code li même si son grand tibri là-dedans mais n'a pas tendé ensemble avec monsieur dame Jovenel assassiné pour nous président Jovenel Moïse assassiné pour nous et crime ça nous pas quitter le passé comme ça non nous pas quitter le rester impuni n'importe qui gens font bagaille. On a le fond titan des présidents Jovenel Moïse ensemble avec. Et n'a pas tourné pour nous venir plus de détails sur dossier Ralph Yuri Chevrier. Président Jovenel Moïse assassiné pour nous. Yeah. Ma pe vite n'dande. A la fem mali. A gen petit, a gen madame, a gen fami. Parce que la pa le changement, parce que la pa de l'électricité. Asphalte route, construit route nan pays. Mette sans jam au place pour nous reboiser pays. Construire barrage pour nous joindre de l'eau pour paysans nous planter qui le canal en la Tibonite et des paysans joindre en grès pour planter pour nous cultiver la terre pour nous faire manger pour le peuple là nèg tué président quoi Dieu là on peut analyser assassinat Jovenel Moïse baga la terrible mes amis baga la terrible qu'on est hein. On coupe des nègres comme si menacé de pouvoir l'assassiner au président. Et puis, sans hésitation, on est en train de chambre président l'assassiner, vous voyez? Casse la miséricorde. Ça va carrément impuni. En attendant le président Jovenel, dans cette vidéo que je record pour nous, sur téléphone, dans la machine. On attendait. Et puis, nous sommes capables de donner pour suite émission. Très intéressant. Ou si me dire qu'on est un cyclone comme ça me t'appelle faire un ouragan comme ça me t'appelle faire face avec on pas venir avec pour pas on t'a faire l'autre stratégie même dire qui ça le fait parce que tout le monde même un gros monde dans privé qui rencontre mon on le qui dit me besoin madame chita me tête à tête monsieur dit quitter ça un monde dans secteur privé oui. Ou président de la République. Oh ouais.
Là, je me dis, pour qui ça me dit, je ne pas quitter. Et pourtant, c'est pour moi qui compte moi, non? Attendez, ok, c'est pour moi. Oui, oui. Il tendait. Les gens ne sont pas quittés. La pchoto comme président. La pchoto. Elle tue comme président. Oui. Mais est-ce que. Mais, bon, mais, ça, nous, c'est la politique. Techniquement. Mais techniquement, nous tavons toujours là. Mais ça m'a beaucoup plu. Mais attention. Mais qui ça qui fait à vous, Jérémy? Mais qui ça couche toi, vous, Jérémy? Mais c'est quand même. C'est CNE, c'est la République qui couche toi, vous, Jérémy. Ah, vous, Jérémy, par contre. Attendez, là, vous pouvez entendre des gens dire, oh, bah, ça y est, monsieur, il y a un copier pour bouler la nuit en cachette qui va la déposer. Ça, ah, bah, Jérémy. Oui, mais est-ce que pas une désaffectation qui fait de budget de tel ministère? Non, c'est pris. Attendez, là, c'est un contrat offert pour faire un kilomètre asphalte. On peut dire, ah, bah, Jérémy. Ah, bah, Jérémy, mon épaisseur, 17 cm d'épaisseur. Ça veut dire rien. 12 cm de bitume, puisque l'autre couche sous lui, parce que l'aéroport n'a pas même la route. Mm-hmm. Le pied est fait. L'autre aéroport, dans lui-même, et piste là, ou piste là, pour côté, si vous avez pour évaluer en termes de route, parce qu'il y a 12 à 15 km de route. Mais comment le coûte? C'est bitume que BMPAD acheté, ministère des Finances paye, bitume qui l'aura acheté 500 000 gallons de bitume, il va coûter un million de dollars. Ah bon? 100 dollars 56 oui. Et comment l'État te connaissait avant? Je n'ai pas le gallon de bitume, ça veut dire l'huile là. L'huile là. Mais l'acheter 500 000 gallons d'huile. Vous comprenez combien de kilomètres il faut? 1 km, c'est 15 000 gallons. Vous besoin. Ça veut dire en fait, dans 500 000 gallons, c'est divisé 500 000 par 15. Par 15, oui. Mais président, vous avez que 25 km route dans 500. Ça veut dire dans 800 000 dollars, il y a 25 km route. Bagage ça, vous me dites bien. Nous avons un bon travail. Et de faire l'État haïtien payer kilomètre route là pour 1 500 000 dollars américains. Ça veut dire qu'on est capable de faire 25 multiplié par 1 500 000 pour avoir la quantité d'argent que la bas où. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, à 800 000 dollars seulement, le président fait 25 km route. Mais pas ici. Jovenel de trois petits pour ne pas tout yel, mais sauf ça m'a dit, président de la République, menace yoté là. Et président Joe, il était qu'à mourir. Ça veut dire que il connaît danger mais Jovenel Moïse pas prend responsabilité. On a le temps de non. On a le temps des présidents. Pile, bitume qui l'ont acheté 700 000 gallons de bitume. Il va coûter 1 million de dollars, non? Ah bon? 100 dollars 56 oui. Et comment l'État te connaissait avant? Ma pas le gallon de bitume, ça veut dire l'huile là. Mais l'ont acheté 500 000 gallons d'huile. Vous comprenez combien de kilomètres il faut? Il y a un kilomètre, c'est 15 000 gallons. Vous besoin. Ça veut dire en fait, dans 500 000 gallons, c'est divisé 500 000 par 15. Par 15, ouais. Mais président, vous pensez que 25 km route dans 500. Ça veut dire dans 800 000 dollars, il y a 25 km route. Bagage ça, vous me dites bien. Mais, vous avez mourir, monsieur. Nous, nous avons compris ça. Ok, mais bon, l'autre bagage. Mais, nous avons fait l'autre bagage. Non, je finis sous point ça. Vous me dites, elle dit là, je dis, aéroport Jérémy fini. Mais, aéroport a fait dans mi-temps Corona. Aéroport a commencé 6 janvier, nous avons qu'il est mis en juillet. Ça, maintenant, il est en cours. Si son compte. Attendez, Laurent Lamotte était premier ministre. Il était fait pour le premier ministre à l'aéroport Jérémy déjà. Nous sommes ça. Avec président Michel Mateli. Le 31 octobre 2014, il va jeter monsieur 12 décembre. 12 décembre. Tu avais dit monsieur, pas qu'il ait fait projet. Mais son film privé que tu n'as pas fait contrat. C'est pas que. Environ 10 miles, okay. Restez à gauche. Nous avons 6 millions de dollars. Mm-hmm. Donc, il était correct. C'est un bon prix. Ouais. Hein? Mais est-ce que nous voulons qu'on ait à bord de pas coûter 1 million de dollars? Ah bon? Mes paroles là. Je dis à l'IFIN Costume, je dis ça. Ouais. Parce que pour qui ça ne coûte pas 1 million de dollars, c'est bitume qui saute ici pour porter un scalé dans l'usine, quand même. Ou au chlan dans la rivière. Dans la ravine, très bien. Vous mettez le gaz dans une génératrice, l'effet gravier, donc tout ça c'est quand même fonctionnel, l'état touché, et puis
on seul bagarre ou on paquet ingénieur longtemps qui était sous computer qu'on doit faire négoire sous terre. Très bien. C'est ça seulement lié. Maintenant, pour aspect propagande, je me dis, le moins doux aspect propagande, nous fait bac stratégiquement parce que nous disons qui s'acte carré, nous disons gros nec. Oui, oui. Et oui. C'est pour nous qui parle, bam. Oui. Ça partit de ça. Et nous, ça se passe dans le pays. Oui. Ça dit aujourd'hui, c'est pour nous dire que travail, ça va être fait. En Algérie, monsieur, nous avons route numéro 2. Qui route qui se dit Jérémie du Vaillant-Bois, 7 km pour asphalté. Oui. La ville de Jérémie, pardon, c'est presque tout est passé. Il y a asphalté. Route Corail, qui est beaucoup fini asphalté, mais on partit depuis difficile. Belle longueur d'asphalté. Massure, c'est nous qui faisons connaître, nous avons le dodo. Nous avons le dodo. Nous avons manger à soir. Oui, nous avons le mouron. Maintenant, je vais prêter dans la caravane parce que je vais retourner dans la route. Alors, nous allons regarder l'autre qui s'est constitué sur l'élection. Parce que moi, j'ai trois questions là. Mais maintenant, est-ce que je dis à un pile emploi qui est dans la caravane? Parce que je connais la caravane, d'après tout ça dit, en dans la caravane même, des conseils de monde qui ont saboté la caravane. Et pas de vous mentir, parce que bien vrai, toucher, c'est si c'est là. Attendez, moi, d'où caravane n'était qu'à cause d'un homme. Je me suis dit, mais j'avais dit maintenant, c'est normal. Attendez, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire, en principe, je n'ai pas des nègres qui ont pensé que tu es dans la caravane. Et puis, nègres, tu n'as fait pas. Tu n'as fait pas. C'est pas une mauvaise communication que tu as gagné autour de la caravane, parce que le budget. Alors voilà, si ça ne parle de mauvaise communication, parce que mauvaise communication, c'est à partir de là. Si tout le monde entend que la population connaît que caravane, c'est, alors on se dit là, c'est une stratégie, c'est pas un programme. Mais tout le monde connaît que tout le monde plaignait de budget caravane qui n'est pas ventilé, c'est une opacité totale. Je sais bonjour. Là, par exemple, là, je suis en face là. Costume qui joue à l'égon plus ou moins couleur gris, on tient à carreau sur là. Si on peinture et lui mettez le noir, tout le monde a vu le noir. Il y a pas le noir. C'est ça qui. C'est ça qui est capacité pour construire l'opinion. Pour perception. En perception. C'est-à-dire, moi-même, est-ce que dans mon moment, ça me défend moi pour me dire que tout dynamique de l'avant va dire. Mais on ne va pas même comprendre parce que pas oublier son innovation quand même. L'État va jamais travailler. Mais je vais me dire, nous bien, direction départementale de la République Nord-Ouest, côté me lever. Dans le business. C'est 50 000 gouttes chaque 3 mois, vous avez dit qu'on pour gaz. Je dis à direction départementale Nord-Ouest, direction départementale là. Et 30 millions gouttes, vous 30 millions gouttes. Direction départementale, oui. À Tigoni, c'est 30 millions gouttes, mais ça, c'est l'État, c'est dans le budget national. Très bien. Président. Ça veut dire direction départementale Nord-Est, c'est 15 millions gouttes, direction départementale. Ça veut dire maintenant pourquoi, c'est pour me poser une question, pourquoi que. Renforcement ça. À Tigoni, il y a renforcement ça. Restez sur l'une des quatre voies de gauche. Et le Nord, c'est pour vous dire. Parce que sur des gros travaux, nécessité plus. Exactement, il nécessite plus de ressources. Mais de quoi on parle? C'est pas question de un monde qui a été là. Donc, matraquage contre le président Jovenel Moïse a commencé à partir de Ekavana. Oui, mais c'est sûr. Président, vous parlez de route là, la frontière entre là-dedans. Est-ce qu'on connaît au niveau technique hein? Mais là, je ne parle pas de 30 millions de gouttes. Je ne parle pas de tout ça. Parti de budget, 21. Ok. Et vous parlez de route là. Où est-ce richesse dans le Nord-Ouest qu'on connaît bien? Et vous parlez de l'île dans la caravane. Mais je ne parle pas de la route là. Quand il y a un Nord-Ouest qui pense que vous avez utilisé la richesse là, c'est sable là, qu'on gagne sous trois rivières, ou gagne sable là sous toute longueur de trois rivières. Et il n'y a pas qu'on ait ou qu'un wash là ou qu'un sable là pour qu'ils ne soient pas utilisés béton pour le Nord-Ouest là qui est capable de plus durable. C'est pour deux raisons. Première raison en technique, ok. Et deuxième raison qui fait que ou pas qu'à utiliser asphalte là, les économiques. Ou pas qu'à utiliser béton hydraulique là. Parce que béton hydraulique, il ne faut pas oublier ça, c'est ciment. Et puis. Il y a un sac ciment par rapport. On dit par exemple, vous faites une route, vous faites un kilomètre route en béton. Si vous faites un kilomètre route en béton hydraulique, on a dit qu'on fait un calcul simple. Un kilomètre c'est 1000 mètres, l'épaisseur, on a dit 20 cm, non, là, j'ai 7 mètres. On fait un calcul parce que plus ou moins 1200 mètres cubes, 1200 mètres cubes. Il y a un mètre cube béton normal, si il y a des gens qui attendent là, c'est presque entre 8 et 9 sacs ciment par mètre cube. Ça veut dire là, on parle presque de 10 000 à 12 000 sacs par kilomètre. Pour pas faire ciment.
Mais quand tu te prends un kilomètre asphalte, vous posez moi que j'ai un deal à m'aller pour nous la balle faire. Allez-y, 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 président. Allez-y. Et question nord-ouest, oui. 15 000 gallons de bitume, vous avez besoin. Et route nord-ouest, ça, comme on a fait, il ne faut pas oublier. Premier asphalte, nous te faisons, nous te faisons, nous te mettons en couche. Parce que zone ça, zone Kafoujofla, c'est les cas supportés, ça, on veut dire. Tout côté où nous mettons seul couche, il y a cas supportés. Mais il y a des côtés que sol là, parce que le pabli, route là, il y a un laboratoire national qui suit. C'est eux-mêmes qui ont dit, mais qui ça, pour qui bon pour faire là, maintenant qui profondeur pour fouiller, pour mettre remblé, par exemple, on a une zone où on a un sont peut-être chargés. Ils ont obligé de mettre et depuis à la base. Géotextiles. Sont plastiques. Restez à gauche. Ils ont été avant pour pas de pas de moi-même. Okay. Mais ils presque prennent 80 cm d'épaisseur de matériaux pour dire que le rivière. Maintenant, on n'a pas les deux surfaces là. Ça veut dire de revêtement. Pour qui ça nous fait asphalte, nous va faire béton. Nous va faire béton. Il y a un kilomètre asphalte. L'on calcule le vrai salaire que dépensé lui-même aujourd'hui. L'on retire, parce que le salaire employé, on retire. L'État va dépenser 50 000 dollars. L'État va dépenser 50 000 dollars. Est-ce que nous entendez? Les affaires me disent nous savoir. Je dis à la oui. Monsieur, il va choquer le monde. Je parle de kilomètres de revêtement. De revêtement? Oui. C'est pas terrible. Oui. Non, ouais. Kilomètres à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas un fonds de calcul simple. Pour le faire, il a besoin de 15 000 gallons. Les mêmes gallons bitumina coûtent, j'aime ce dire là. Actuellement, nous achetons une question d'eau à 56 ou bien. Tout à l'heure, oui, désolé. Alors, je coupe les. C'est parole du président Jovenel Moïse. Qu'est-ce qu'elle dit nous clairement? Prenez la voie de gauche pour rester et à gauche. L'État est engagé pour faire travail ça, yo, à travers Caravane. Et. Kilomètre route là par contre côté l'État haïtien 50 000 dollars américains. Ça veut dire que route qui fait dans ville Jérémy 7 km route qui fait pour finaliser route et Jérémy hein. Route qui fait dans ville Okaï route ça yo c'est des routes qui pas coûter l'État et gros l'argent environ 8 miles yo pas coûter l'État en pile l'argent. Eh ben combien comme vous connaissez route ça te coûte l'État, en kilomètre. C'est là que je dis que vous n'avez pas aimé le pays. Vous n'avez pas de chance comme le monde. Mais il faut un petit peuple là. Je n'ai pas tué le président. Ou même tout après défense président. Parce que le président, c'est pour vous d'avoir fait ça. Vous n'avez pas tué le Jovenel. C'est parce que tout simplement, le Jovenel était coupé. Côté de vous, fait gros comme là. Parce que pas oublier. Vous n'avez pas fait. 1 500 000 dollars américains au kilomètre route. Pour vous dire, mais même, vous dire, mais ça n'est plus grave toujours. C'était 3 millions de dollars américains par kilomètre. Route là, c'est 100 km route. Ça veut dire qu'il coûte l'État ici 300 000 dollars américains. Comme je te dis, BIT te finance son parti dans route là. Et l'État fait reste là avec caravane. Tout route ça, vous faites dans Jérémy, Okaï, et Kababti, Nord-Ouest. Plusieurs autres côtés, plusieurs départements dans le pays. T'as une équipe compagnie qui tape multimillionnaire. Mais t'as pris sous l'État. Mais Jovenel fait l'État fait. Il pas côté l'État par quatre copes. Ça vient déranger. Ça domine les gens. On continue d'être président toujours parce que la vérité, ça, c'est là qu'on attendait. Nous avons pour nous parce que nous avons machine avec, nous avons conduit avec. On avance. Mais nous ne comprenons pas, parce que son innovation quand même. Okay. L'État va jamais travailler. Mais je peux me dire bien. Direction départementale de la République Nord-Ouest, côté me lever dans le business. C'est 50 000 gouttes chaque 3 mois, vous avez compte balé pour gaz. Je dis à direction départementale Nord-Ouest, direction départementale là. Et 30 millions gouttes, vous voulez. 30 millions gouttes. Direction départementale, oui. C'est 30 millions gouttes. Mais ça c'est l'État, c'est dans le budget national. Président. Ça veut dire direction départementale. Nord-Est, c'est 15 millions de directions de protection. Ça veut dire maintenant pourquoi, c'est pour me poser une question, pourquoi que Atibonite a renforcement ça avec Nord-Ouest, avec Nord-Ouest. Et le Nord, c'est pour Dieu qui a construit. Parce que sur des gros travaux, il nécessite plus. Exactement, il nécessite plus ressources. De bien. Mais de quoi on parle, c'est pas question de. Un monde qui a été mon ami. Donc, matraquage contre le président Jovenel Moïse a commencé à partir de Caravane. Oui, mais c'est sûr. Président.
ou parler de route là, à frontière entre là-dedans. Est-ce qu'on connaît au niveau technique hein? Mais là, je ne parle pas de 30 millions de gouttes. Pour le monde, ça va partir du budget. Ok. Et vous parlez de route là. Où est-ce richesse dans le nord-ouest? Qu'on connaît bien. Et vous parlez de l'île dans la caravane. Mais je ne vais pas traîner la route là. Quand il y a un nord-ouest qui pense que vous avez utilisé la richesse là, c'est sable là, qu'on gagne sur trois rivières, ou gagne sable là sur toute longueur de trois rivières. Et yo pa konnen ou gen wash la ou gen sable la pour qu'ils soient pas utilisés béton pour nord-ouest là qui te ka faire plus durable. C'est pour deux raisons. Raison première raison technique. C'est une parole ça clou on va entendre là. Et deuxième raison qui fait que ou pas ka utiliser asphalte là les économique. Okay. Ou pas ka utiliser béton hydraulique là. Mm-hmm. Parce que béton hydraulique faut pas oublier ça, c'est ciment. Et puis il y a un sac ciment par rapport. On dit par exemple, on fait une route, on fait un kilomètre route en béton. Si vous faites un kilomètre route en béton hydraulique, on a dit on fait un calcul simple. Un kilomètre c'est 1000 mètres, épaisseur on a dit 20 cm, non largeur 7 mètres. On fait un calcul parce que plus ou moins 1200 mètres cubes. Il y a un mètre cube béton normal, si il y a des gens qui attendent de me la capoter, c'est presque entre 8 et 9 sacs ciment par mètre cube. Ça veut dire là, on parle presque de 10 000 à 12 000 sacs ciment par kilomètre. Mm-hmm. Ou pas fait ciment. Mais quand tu te prends un kilomètre asphalte, vous posez une question, je dis là, je vais répondre là-bas. Mm-hmm. Allez-y, président. Allez-y. Question nord-ouest. 15 000 gallons de bitume, besoin. Mm-hmm. Et route nord-ouest, ça, comme on appelle, il ne faut pas oublier. Premier asphalte nous te fait nous te mettez en couche parce que zone ça yo zone ka fou jof la les ka supporter ça nous mettez ou nous mettons sur couche ou ka supporter là mais il y a des côtés que sol là parce que le pabli route là il y a laboratoire national qui sur lui c'est eux même qui a dit mais qui ça qui bon pour faire là maintenant qui profondeur pour fouiller pour mettre et rembler par exemple on dans zone ou zone ou ben sont peut-être chargés. Ils sont obligés de mettre et depuis à la base. Géotextiles. Sont une sorte de plastique oui. Que vous mettez en vent pour ne pas quitter de l'eau à remonter. Okay. Parce que la zone n'a pas de bon même. Okay. Mais elle presque prend 80 cm d'épaisseur de matériaux qu'on dit à que dans la rivière. Maintenant, on a parlé de surface là, la rivière. Ça veut dire de revêtement. Pour qui ça nous fait asphalte, nous va faire béton. Nous va faire béton. Il y a un kilomètre asphalte. L'on calcule vrai ça l'état dépensé lui-même je dis l'on retire parce que pas dit salaire employé on retire l'état va dépenser $50,000 non l'état va dépenser $50,000 yes ça fait me dire nous ça pas je dis là oui et bah là monsieur il pas choquer monde m'a pas le kilomètre de revêtement c'est pas terrassement oui non kilomètre asphalte là c'est dire en fait on font calcul simple pour le faire il besoin 15 000 gallons. Les mêmes galons bitumes coûtent, j'aime ce dire là, actuellement nous achetons un poisson d'eau à $56 ou $66. Les 15 000 gallons, ça fait moins que $30,000 pour bitume. On y a l'eau pour un gaz. Ok, on met le gaz là, pièce de rechange. On a exagéré $650,000. Monsieur, excusez-moi, il n'a prêté n'a pas. Il n'a prêté n'a pas. Non, mais attends, c'est pour que vous me dites que je parle de l'État. Mais pas on est qui vient ici l'a fait un contrat route c'est peut-être soit elle est montée nous sorti un kilomètre de revêtement hein, qui était $1,500,000 nous passer là $150,000 nous réduit là 10 fois moins à 10 fois moins parce que nous dit monsieur et ça pas faire mon content parce que on est qui par exemple nèg la une entreprise de construction si nèg la un petit contrat 5 kilomètres route les millionnaires ouais bien sûr maintenant je dis si le 25 kilomètres route sur chaque kilomètre Négla obligé de dépenser plus ou moins entre $73,000 et $75,000 pour faire un kilomètre. Ça veut dire que c'est $75,000 le fait sous lui. Ça veut dire que Négla fait 5 kilomètres. Il n'est pas qu'à faire, ok, 5 millions de dollars qu'on fait, 6 millions, 7 millions de dollars. Ça veut dire que bagarre a réduit. Mais en fait, nous sortis de 1,5 million à $150,000. C'est ça, nous payons privé. Bagarre, ça fait pile gourmet. Je connais que le ministre a voulu le cap gardé, le cap donné là. Tu n'as plus de difficultés. Oui, monsieur le bataille. Ok, donc nous étions trois points. Oui, nous étions trois points. Mais maintenant, nous sommes obligés de nous. Non,
et Mona Safouleur avec Saint-Louis du Nord, rien qu'on est. Pont sur rivière Capouge avec rivière Saint-Louis. Oui. Ça, on toujours pour parler tout d'abord. Ah ben, je voulais nous pont sur rivière Capouge avec pont qui sous la rivière Saint-Louis. Donc, il y a pas fini. Oui, mais oui, beaucoup. C'est ce son problème d'expropriation. Oui, 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 oui. On connaît que le ministère ou le gérant travaille sur ça. N'a tout. Et là, je vais poser une question. Mais parce que faut nous même chercher ça. La Saline, moi-même, machine mettre pas en bas de l'eau, mais on gagne deux constructions. On l'hôpital, nous allons mettre l'hôpital là dans la bois. Nous allons centraliser l'hôpital, on sera plus sportif. Mais, c'est capté. Monsieur, c'est pour ça, en tout cas. C'est ça qu'a fait. Route là, nous ne pouvons pas quitter l'arrivée dans une situation où les destinés étaient de là. Nous ne pouvons jamais quitter pour Jean-Abel là. C'est ça le champion. Jean-Abel garantit ça. Il y a un travail qui a fait. Parce que là, le problème qui est le cordier. Cordier, c'est un côté où on prend un wash longtemps. Ok? Et dans la saline, il y a pile dégâts environnementaux qui fait. À retirer le wash dans le monde, ça vient faire une série de l'eau qui perd du lit. On va dire la ville. Qui perd du lit. On va dire qu'on réunit au plus haut niveau que tu fais dans le bord de paix. Qui est le ministre de l'Environnement, ministre de la République, tout directeur départemental, délégué départemental, pour faire le premier travail environnemental, ça, qui pour permettre pour bailler de l'eau à l'île, pour le compte pour le passé. Deuxième bail, nous, dans la saison, la pluie, on compte ça bien, dans l'époque, ça n'a pas de bonne chance. Et le ministre de l'Environnement dit que il n'y a pas qu'à intervenir qu'on y a dans la saison de la pluie, comme l'époque sécheresse, ça suppose commencer à partir de décembre, il y a de gros travaux que vous allez faire pour faire un enrochement dans toute la saline dans net, et il y a même parlé pour mettre des drains d'équilibre, ça veut dire des muscles. Pour résoudre le problème, non. Définitivement, parce qu'il ne faut pas oublier l'autre bord de la rivière qu'on y a. Ou bien central électrique là, ou bien un gros hôpital, ou bien un parc de jeux. Ça fait et puis ouvrir à l'eau pour ado. Quatre gros projets sur nos lèvres. Projet l'autre. Un petit mot avant d'aller sur la question de constitution pour le monde, pour la police qui plaît en pile pour la question de mon chien, ou de vous mettre, et jusqu'à présent, il peut être. Bonjour, mon chien, tu as un petit problème qui est passé là-dedans. Oui, mon retour. Le député Jean-Michel Moïse, je me salue. Qui lui-même était pour initiative parce que c'était volonté manifeste, monsieur Teguien, pour te faire mon chien. Tu as un problème entre ancien directeur départemental là et monsieur. Ok. Parce que en principe, lors d'une volonté politique là, il faut techniquement suivre les. Ah oui. Ok. Maintenant, il y a des équipements par exemple, tu as une excavatrice, tu as un bulldozer, tu as un monde. Et. Équipement. Donc, on prend pas des équipements de fin, un équipement grave à nous, qui est pour un mauvais gaz, il n'y a pas d'injecteur. Vin fait que le travail n'a pas de supervision de direction départementale okay. Travaux publics Nord-Ouest. Maintenant, et puis l'équipement vient de mon panne, et puis déblosage était dans le pays. On a tout le monde a goûté n'importe quoi avec le pays. Vin fait que si vous suivez, où est qu'on débute les travaux qui commencent à faire. Et qui commence à mais qui n'est pas fini, et je dis tout qui est mal fait. Ok? Qui, parce que pas de bonne supervision. Moi-même, je dis que les bombardes de police, les bombardes de BDN, parce que je connais mon sens entre bombardes de police et BDN. Et BDN, oui. Travaillons en pile. Je dis à la priorité, pas non, c'est connecter, ok? Chef lieu, département Nord-Ouest, là, avec Respia. C'est l'homme qui dit priorité par nous, ce n'est pas Zim Zim Moun Bombardo Police, nous ne pouvons pas tourner. Je vais demander au ministre pour le faire une délégation après saison la pluie à la avec direction départementale Nord-Ouest pour regarder qui est le bon moyen que nous avons fait.
pour nous être capable de satisfaire les gens. Parce que les gens, dans BDN, il faut me dire dans toute commune dans le Nord-Ouest, c'est la seule commune dans 3 ou 4 mois qui est venue là. On dit 4 mois qui n'est pas électrifié. Parce que, pas oublier, il y a un entrepreneur. Une entreprise privée qui électrifie Morten Nicolas, Sigoua et Jean Abel. B2N est sous programme. Oui, mais pour encore de quelques temps, président, au niveau de Jean Abel, également, donc, et pour de police. Ça passe. Ça veut dire. Il y a quelqu'un qui est là-bas, quoi. Bon, ça veut dire ça, c'est une entreprise privée qui est. Et pour nous, voilà, on a assez bien pour elle, pour qu'on ait qui problème, il y a un problème pour résoudre. Parce qu'en principe, nous-mêmes, dépendons côté l'humain. Il va y avoir été encore parce que le programme nous est relumé. Ça veut dire qu'il va y avoir été encore. Ça veut dire que bon monde, B2N, nous n'avons pas oublié tout dans les affaires courantes. Nous avons une liste commune, j'ai eu ça fait Dondon, j'ai eu le fait dans le mois de décembre, dans le Nord-Est, ça veut dire Capoti, Mont Organisé, Valier, Caris. C'est comme ça tout, B2N n'a pas privé sur eux pour aller voir le président. Nous avons trois points de regarder, en fait, quatre points rapides de regarder. Et qui c'est question constitution, élection, pratiquement qui font seul. Et puis, coup sur les comptes, et puis, question sécurité. On a sur question constitution. Côté nous, on a l'impression, en fait, on dit qu'on a l'impression dans l'opinion que on va agir seul sur la question de la constitution. Et bien que. Alors, on a décidé de couper là, et merci, Loco. Et enfin, nous connaissons que Haïti, c'est comme on a pensé pour lui. Et nous avons adhéré les Jovenel Moïse. Je suis quitté l'entendu, je ne suis pas intervenu. 21, alors je suis capable de dire 6-7 juillet 2021. Et jeudi 25 octobre 2024. Ça fait 3 ans et quelques mois. Et que tu es président Jovenel. Dis-moi, est-ce que Haïti était sans gouvernement? Non. Les gens qui tuent le pouvoir. Après. Pardon. Dis-moi qui est-ce que nous campé, qui défendre le peuple comme ça, comme si, qui a une volonté qui a persisté, qui font des choses dans le pays comme ça. Pas gagné. Ça qui fait ça. Jovenel Moïse te dit, transition, c'est la toute mauvaise l'argent brassé. Depuis que nous fait comme sale. C'est à travers transition le fait. Fier l'argent, c'est à travers transition. Eh bien, c'est pour ça, yo. Et qui a assassiné le président Jovenel. Vous voulez nous dire ça? Ok? C'est pour ça qu'on a assassiné le président Jovenel. Nous même peut-être que nous ne comprenons pas ça parce que l'opinion a été contrôlée. Il faut comprendre que Jovenel Moïse n'a pas rien qu'il a réglé. Mais qu'on y a, monsieur, que nous pas égaré. Nous sommes devant nous là, pour voir un homme. Et pour questionner tout ça à régler. Pas rien qu'à fait. Mais par conséquent, le budget Jovenel Moïse qu'on n'a pas agi sous l'IA, l'argent ça, même budget ça qui est dans le pays d'Haïti, ça veut dire que même comme il y a là, et qu'il n'y a pas deux qui passent après, Jovenel qui te quitte ton reste, il prend le reste là, Ariel te fait une. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois budgets qui passent, pas qu'il y a un tourette qui bouche. Ça va aller là, qu'il y a un négo méchant avec le pays, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui n'est pas méchant avec mon pays, monsieur. Seul est le journal Moïse fait, man. Il va te poser faire ça. Quitter sécurité sur le compte Matéli. Grand tombe by président. Green tombe by président Jovenel. Mais nous avons tourné en côté tout. Oui. Nous avons tourné sur, on est capable de dire non, Matéli qui a choisi président Jovenel. Là. Nous avons tourné sur ça. Comment elle a fait choisir Jovenel? Et sous Jacques Sauveur Jean. Je vais chercher l'émission ça. Je vais faire un temps d'elle. Et puis nous même n'a quitté commentaire pas nous.
parce que je me suis pris une émission ça. Ma télé était fait une intervention sur lui. Et bien que c'était Gary Vébolchal qui était questionné sur lui. Pour quelle raison c'est Jovenel Moïse qui était choisi sous Jacques Sauvé-Jean. Et c'est une bagaille, même dans la mort Jovenel, même Sauvé-Jean qui doit parler, il va remettre Jovenel parce que c'est lui qui est le président. Jacques Sauvé-Jean estimait que Jovenel va en coup dans le dos. Senti, monsieur, pas de remettre Jovenel, peut-être ça seulement. C'est comme ça, depuis dans Galilée. Si n'est pas jamais voulu dire, mettez nous ensemble là, sauver notre ouest, sauver notre est. Et on regarde déjà qui te côté, déjà qui te habite, devant la cage à qui te, l'ipi mal compact cochon. Et mettez nous ensemble pour nous développer Grenoble, mais on pas capable de faire parce que tout simplement, vous avez un écho, vous avez un manger en dedans. Parce que c'est où que tu es président, depuis que ce n'est pas où qui est président, eh bien mon cher, et quel que soit ça, je viens de la faire, ou pas peine de vous là-dedans. Si vous êtes là-dedans, eh bien, comme si. Ou à contribuer dans aider monsieur réussir mandat ou pas connaître que réussir c'est pour pays en quel lieu pendant que au même des sénateurs tout bon, bref ça passe parce que n'a tourner sur ça dans une autre émission moi même en pile et m'a dit nous kembe la balague c'est toujours un plaisir pour que moi entendre ancien président nan que nèg politique assassiné ancien président nan que nèg secteur privé assassiné ancien président nan que Pierre Espérance Marie-Hélène Gilles sa même à distinct droits humains ça yo assassiné ancien président nan que des prêtres qui dans l'église catholique épiscopale d'Haïti mettent tu ensemble yo chante mèche alors mes noir poli yo assassiné parce que li te kembe yo nan volon nan contrebande OK et nèg yo mettent tu ensemble yo éliminé président Jovenel Moïse. Moi comprendre. Moi comprendre un peu le bagaille. Aïe, en tout cas, n'a pas tourné.